رحمتك فراغانك عنوان هو عالم اسلام إن الحمد لله والصلاة والسلام على خير البرية محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وقال أيضا في موضع آخر الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شب خيسان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <سؤال> الحمد لله تلوانس تغاندية يا أمد بياس اميل اميل سالوتاشيون درود لو الله سبحانه وتعالى ce dernier Zaydane, dernier qu'atement les biens et les musulmans. Muhammad, le Rasoul Allahu, sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions ici, Allah, subhanahu wa taala, infiniment qui encore une fois donne nous la vie. Nous finit, retrouve le grand mois Ramadan, le Mubarak. C'est un mois à profiter pleinement. C'est un mois qui n'est pas pareil comme à les autres mois. C'est un mois que nous devons consacrer nous les temps. Davantage pour apprendre, dîner islam pour étudier le Coran, pour étudier les enseignements du dernier prophète, Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'enseignement qu'il y a dans le la Coran, l'aude qui Allah subhanahu wa taala fin révélé dans le Coran, et l'enseignement sunna, l'enseignement du Saint prophète, qu'il appelle soit sur lui, Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous mettons-les, nous appliquons-les dans nous la vie de tous les jours. Peu n'a aucun doute, dans le passé, celui qui met en application les enseignements du Coran et les enseignements de ce prophète prophètes de l'islam, Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire a témoigné que ça a été un succès dans la vie le Salat là et dans la vie au-delà. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils m'ont fait choisir pour développer devant vous c'est la générosité de la religion de l'islam. La générosité de dîner islam il occupe une place importante. Quand nous pouvons étudier le Coran, nous pouvons étudier eh bien, le verset. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous pour dépenser, et dans les enseignements, de les hadiths de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, quand le Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, finançait nous pour dépenser dans le chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quand nous parlons dépenser dans le chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parfois nous réalisons, parfois nous pensons qu'il dépensait seulement dans la construction du masjid, dans la construction ben de l'allum, mais dépenser pour plaisir à Allah subhanahu wa taala, qu'Allah subhanahu wa taala fait de nous l'autre pour dépenser. C'est dépenser aussi dans le chemin Allah subhanahu wa taala, mais aussi dépenser avec ben celui qui est plus démuni de la société, ben celui qui a le besoin, ben celui qui peut faire face à la pauvreté. Dîner islam, c'est une religion juste qui Allah subhanahu wa ta'ala voulait amener un équilibre dans la société. Pour éradiquer la pauvreté, Allah subhanahu wa ta'ala, d'un côté, puis met un système, zakat, que nous tous nous connaissons, mais pas seulement a zakat, et aussi, même si zakat, n'est pas obligatoire pour une personne, mais même ça, nous capables de dépenser dans la richesse, qui Allah subhanahu wa taala de nous, donne, nous capables de dépenser avec ben pauvres, surtout nous aide ben pauvres, les enfants qui sont démunis. afin qu'ils nous capables éradique la pauvreté, peine à la différence entre pauvres et riches. Dans le dernier sermon de Rasoulullah sallallahu alaihi wasallam, aujourd'hui une personne y la richesse. Ils sont tilifiés. Il y a des personnes qui sont dans la pauvreté avec un autre regard. Mais il y enseignements de Mohammed au sallallahu alayhi wa sallam, qui les financent. Dans le dernier sermon de Hajjatul Wada, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous La farka baïna l'abjad ou l'aswad. Il n'y a aucune différence entre noir et blanc. Il n'y a aucune différence entre la personne qui est sur la peau qui est noire ou bien sur la peau qui est blanc. La farka bain al-arab ou al-ajam. Il n'y a aucune différence entre un arabe et un non-arabe. Quelque chose qui fait la différence, c'est taqwa, c'est la piété. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il invite nous pour cultiver la piété et quand nous dépensons. À Ben Pauvre. A cause ça, Allah subhanahu wa ta'ala, binhan, le jeûne du ramadan obligatoire, le sac musulman, balir zom et femme, Il ya. Quand qui une personne qui observe le jeûne, qui respect, prend son béhisadik jusqu'à rouloubi à table, le respect, le respect, le manger et sans boire, il prend sunset jusqu'à sunrise, alors ces personnes-là, développent la souffrance. Qui a un petit monde reste sans manger. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dire que celui qui donne un rosé d'art, un gozé de l'eau le jour du jugement, il peut boire de la hausse de la hausse. Même un tam nous donne un rosé d'art. Ce geste de générosité-là, il ne pas boire de l'eau, comme on nous dit dans l'angle créole. Allah subhanahu alayhi wa ala, nous dit dans le Coran, qui dépensait, dans ce qui nous finit de nous. Connaît que ce qui nous est dépensé là, ce vrai propriétaire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Chers c'est en islam, quand on nous dit à dépenser, ce n'est pas seulement dépenser l'argent, mais l'enseignement de dîner l'islam, Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam, pas seulement, il faudrait un et un l'argent pour lui capable faire un acte de générosité. que Allah, wa ta'ala, ce dernier message de Mouhamadou Rasouloullah sallallahu alayhi wa sallam qui finance nous. Nous ne pouvons pas dépenser nous les temps, les temps aussi qui sont bien bien valeureux, mais les bien tristes. Aujourd'hui, chère tous les ben jeunes, le pays a dit que c'est les temps qui sont bien, bien bien valeureux, à gauche et à droite. Dépensez-vous ces temps-là avec en aide à des ben, ben, personnes qui sont plus démunies de la société. Des gens qui ont le besoin, des gens qui fait de la société, dépense ou l'énergie, ça l'énergie. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous là, dépense ça l'énergie là, dépense à l'état là, pour venir en aide à même personne qui a le besoin, à même personne qui a la nécessité. Qu que Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui finit djianou, qui finit qui a un sourire, c'est un acte de générosité. Ou peine à l'enfant, ou peine à l'état, ou peine à courage mais il y a un sourire avec une personne, mais ce sourire-là peut amener happiness joie, peut amener la joie dans la vie d'une personne. C'est ça l'enseignement de nous modèle Mohammed le Ressourç sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, comme un modèle pour nous. Et si nous suivons ce modèle-là, un modèle qui est parfait, qui bénit, aucun manquement dans l'enseignement et dans la biographie de Mohammed le Ressoul alayhi wa salam Qu'est-ce subhanahu wa ta'ala, ce dernier prophète, dernier messager, ce bon compagnon, le ben compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa salam Comment on ce qu'il dépense notre richesse Et quand nous dépensons, parfois nous réalisons que quand nous dépensons, nos richesses qui nous sont pour diminuer, mais c'est le contraire. قرآن القرآن الذي يجب أن يدفع 1 ربيع من الله سبحانه وتعالى في عودة الله سبحانه وتعالى يقدم لنا 700 ربيع هذا يؤكد أن الله سبحانه وتعالى يقدم لنا القرآن وكما قمنا بمدرسة القرآن ومدارسه من أصدقائنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم Qu'est-ce que le Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, finançait nous Qu'est-ce que les sahabas, sallallahu alayhi wa sallam, finançaient nous Qu'il y en a des personnes qui, quand elles s'embrassent la religion de l'islam, elles ont accepté, elles ont témoigné qu'il n'y une personne qui mérite d'adoration, excepté Allah. Et nous témoigner que Muhammad, qu'il a paix ceci lui, c'est le messager d'Allah, le rassouls. و الله سبحانه و تعالى سيدنا خديجة الكبرى الكوبرا première madame qui vient embrasser l'islam et première épouse de رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم aujourd'hui بن جيمون زود كوزاغوس à droite لو بن mariage ك رسول الله صلى الله عليه و سلم فين فيها ميليا pourtant vous بو nous connaissez شاتو بن جان qui بنى personne plus beau plus joli كي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي بن كومبانيوز و واحسن من كلام ترقت عيني بين بيسون سي بوكو يا رسول الله كي مولي في فين مي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جن دو 25 سو بريمي مارياج سيتي مع سيدنا خديجه الكبرى حضرت خديجه كي لي تيان دو 40 ans sa premier mariage De Rasulullah, un jeune de 25 ans, il est marié avec une veuve de 40 ans. Sa même Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam est dit que c'est la dame la plus riche de la ville de Makkah. Mais quand il est venu quitter ce là aujourd'hui, il peut vivre dans le monde matériel. Quand c'est le matérialisme qui vient en place dans la société. Mais il y a des enseignements de Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam Que Allah le Sallallahu alayhi wa sallam Financez-nous qui a le droit de donner à un tel niveau, à ce niveau que vous dépensez Vous faire un acte de générosité Surtout dans un moment de difficulté De cyclone, de tempête X, Y, Z nous avez mettre le Facebook Le Youtube, le TikTok nous avez faire une publicité avec ça Mais c'est ça ça, par l'enseignement de Rasoulullah, Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, finançait nous. Qui, quand nous dépensons avec la main droite, la main gauche ce nous pas connu. Nous voulons dépenser d'une telle façon qu'il ne nous pas faire ce tcharcha, nous ne nous pas faire la gazette avec lui. Et tu connais un tel pas à manger, on de le manger. Et tu connais un tel sous enfant qui na un casse pour payer les sons, pour payer les sons. Non, nous voulons faire un acte de générosité seulement et seulement

les mondes encourent l'exemple avec leur biographie. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous, nous une qualité l'ami qui compte en dépenser. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait à nous une personne généreuse. Et une personne qui est pas penser que c'est une personne qui est pour une misère. Au contraire, quand nous dépensons pour plaisir, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, pour augmenter nos richesses, surtout nous dépenser. Dans ce mois de Ramadan, c'est un mois béni. Nous tiens nos zakat, nous fitra. Vous remarquez le jour de l'idoul fitr. Avant le namaz, l'idoul fitr, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut ordonner nous pour tirer la sadaqa et la fitr. Le Ressort nous pour tirer la sadaqa et fitr. Qu'est-ce qu'il fait Parce que même un jour de contentement, l'idoul fitr, Allah subhanahu wa ta'ala, son Rasoul finit en qui nous. Il paraît vous pouvez célébrer ce contentement-là. Comme ça même, ça y qui vous finissent retirer comme sadaqa et fitr. Mais une personne qui a des aussi. Vous êtes capable et nous êtes capables, il en la joie, le contentement de vous être nous faire droit, que Allah subhanahu wa ta'ala, des trois paroles qui nous finissent ensemble, Allah subhanahu wa ta'ala, donne-nous sa compréhension-là, pour dépenser dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tawfiqi illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليكم Wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, nous tous nous au courant qu'il nous arrive à un moment dans le monde très avancé technologie. En technologie, nous sommes bien bien avancé. Dans nous l'époque quand nous vivons aujourd'hui, les réseaux sociaux dominent nous la vie, nous les temps, nous l'étude, et en général, les réseaux sociaux prennent une place importante dans la vie humaine. Environ 4 9 billion population de la planète. Vous êtes avec réseaux sociaux. Environ 60% de la population mondiale. Et quand nous cause réseaux sociaux, nous me à Facebook, YouTube, WhatsApp. Et d'autres comme TikTok et les autres ban social sociales médias qui ont servi l'internet. internet. Alors réseaux sociaux si nous comprenons bien il y a absolument comment à dire couteau. Si vous connaissez avili, il est pas beaucoup pour la main. Et si vous pas connaissez avili, il pas capable. VS ou 10 Quand nous les réseaux sociaux, Facebook est en première position dans le monde entier, avec environ plus que 4 millions de la population utilisent Facebook. En deuxième position, réseaux sociaux, c'est YouTube. Et il y a environ 1,5 billion là-dedans qui servent à TikTok. Donc, ça, réseaux sociaux-là, il y sur côté néfaste et il y a côté avantageux aussi. Surtout pour nous, un jeune aujourd'hui, ça réseau sociaux là capable de vivre beaucoup avantageux pour eux. Au cas contraire, ils est capable d'amener les autres, faire addicts. pas capable de rester avec les réseaux sociaux. Indirectement, ne n'es pas capable de rester avec les autres potables. Ils sont capable d'amener les autres dans une situation dépressive. Ils est capable de les sentir seuls. Et des fois, beaucoup de gens ont la suicide. Quand ils ont mal, ils utilisent et servent les réseaux sociaux. Chers frères et sœurs, surtout, nous nos jeunes qui représentent la colonne de la communauté. Nos sommes jeunes, c'est la colonne, le pivot de la communauté. Ces hôtes qui amènent beaucoup de contributions dans la société depuis tous les temps. Depuis toujours, Allah subhanahu wa ta'ala les content sur Banda quand les jeunes les font beaucoup d'efforts. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il fait éloge un jeune qui s'appelle Siduna Ibrahim alayhi salam. Très courageux, qui fait une dénonce de la religion de ce peuple à très jeune âge, qui quitte ce pays, il a le en la terre, quand il ne capable de prier en Allah quand il peut capable prier seul le Créateur. كي يستحق كل عباده. سي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يثنيء بزيعه جَنْ القران. اصحاب كهف. الله سبحانه وتعالى جاء انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. اصحاب كهف كانت مجموعة من الأشخاص الذين الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدقاء الأشخاص كان لديهم مفيداً في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مجموعة من جن. Dit nous avons quand nous trouvons des jeunes, nous avons une tendance à pousser des débits de Mazdid. Nous faisons des aldeaux de Mazdid. Quand nous faisons des aldeaux de Mazdid, nous poussons des pliants de nous encore. Nous ne pouvons pas essayer de comprendre des jeunes. Nous ne pouvons pas essayer de mettre nous dans la peau de des jeunes. Ou sans oublier que nous sommes des jeunes à l'époque. Ces sont des jeunes qui nous encouragent à venir vers Mazdid. لجيكاسيو إسلاميك في بان لاغي محبة قرآن شريف أمن زود في الإسلام سي بان لاكي كلون لسا غليجون نبي كريم صلى الله عليه وسلم لفين أنكوراج بان جن إيو بان الله سو رسول فين دون زود بكل أكازيون لكوسا Avant que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam immigré vers Madina Munawwara, Il envoie un jeune comme professeur, Hazrat Mus'ab bin Umair radiallahu ta'ala an. Il envoie comme professeur à l'damadina, à l'ancien Ibn Nasuddin. C'est un jeune. Ce un jeune là, tu ne peux pas jeter le temps d'en prendre une dîne. C'est Ali bin Abi Talib radiallahu ta'ala an, le

Envoye Muad bin Jabal, radiyallahu ta'ala, vers Yémen comme juge. Comme juge. Il y a beaucoup d'exemples que le Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, fait montrer, va aller à et fait mettre de l'avant dans la mission de l'islam. À Noumanjian, il y a papier dilettant, beaucoup avec les réseaux sociaux. Il y a des dangers. Première chose, il prend beaucoup de temps. Nous sommes addicts, nous sommes addicts avec les réseaux sociaux. Beaucoup de temps nous sommes addicts. On connaît plus que 50% de la population mondiale musulmane sur les réseaux sociaux. Et selon une étude musulmane, il passe plus que 4 ans sur les réseaux sociaux. Il scroll. Il reste même. Il finit finir sur les temps avec les réseaux sociaux. Et un musulman, un jeune musulman, il y a beaucoup de potentialité à la fin de mettre dans lui. Il est facile de faire 5 crédits. 5 crédits, bien, pas faire un jeune père. Le monde qui travaille, pas faire un jeune père. On donne le bien, on empêche le mal. Pas faire un jeune père. On prend le dîne, on prend la langue arabe, on prend le on prend le hadith, on prend différents sujets de la religion d'islam, pas faire un jeune musulman père. Parce que nous, a une jeune, Allah, compte un jeune qu'il faut. une jeune qui passe tout le temps Pour ça, sallallahu alayhi wa sallam, la

Rassoul sallallahu sallallahu wa sallam les chebabuka, avant haramik, ou oh, ben jen profite de jeunesse avant de vinvier. La jeunesse, c'est un moment d'où la vie, quand on n'as plus beaucoup la force, ou on plus beaucoup l'énergie, ou on a la santé. C'est un moment d'où jeunesse là, où capable d'en prendre beaucoup, capable de faire beaucoup l'avance d'où la vie. Parce qu'on rentre dans l'âge, ou vinvier. Ou pas gagner sa l'occasion pour en prendre autant quand j'étais encore plus jeune. Ou pas gagner sa quantité l'énergie là. Parfois, on à l'attraper par une maladie. Quand empêche ou d'en mm -hmm. prendre d'in, empêches de mm -hmm. faire l'ibad. Alors, ça, ben jeune là, bien profiter beaucoup. délaisse sa réseau social là. Retournez-vous vers l'islam. réseaux sociaux, je vous dis, amène beaucoup de dans le domaine jeune, mais si vous envie ou capable, profite beaucoup. Vous trouver toute qualité court en ligne. Profitez de ce sens-là. Beaucoup de causeries live, les réseaux sociaux, beaucoup. Profitez de causerie là avec les réseaux sociaux. Profitez de ces leçons en ligne avec les réseaux sociaux. Profitez de ces parole avec les réseaux sociaux. Servisez ces -là réseaux sociaux-là sociaux pour propager le bien, empêcher le mal. Tous les jours, il y a un hadith à afficher les réseaux sociaux. Profitez de ça. En prenez. ce mauvais côté. Délaisse faire une vidéo indécente. Délaisse envoyer un message indécent. Délaisse attaquer ou frères pour le man commenter. Délaisse mettre man post compte ou man frère vous vous aux les réseaux sociaux. Vous vous ça. Vous 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 nous quittons tout cela. Dirige-nous vers le bien. Service ces réseaux sociaux là avec man bonne intention pour propager l'islam. Montrer la valeur de l'islam, montrer que l'islam c'est une religion de paix, l'islam c'est une religion qui amène tranquillité, sécurité, service à réseaux sociaux là, pour donner l'islam une bonne image dans le monde international. Quand nous avons un réseau sociaux dans nos main c'est un homme pour combattre ma mauvaise pensée contre l'islam. À nous servir de ce bon côté, nous mettons en avant, c'est lui qui nous le plus de courage, plus d'énergie, servi ça pour autres l'éducation, Avec ces réseaux sociaux-là, vous êtes capable de gagner succès dans plusieurs bains de l'examen, y compris ici, à l'université, partout, si vous les réseaux sociaux. Mais c'est le cas contraire. Si vous ne conservez pas, vous êtes capable un grand échec, faire dépression, pressions, suicide pas fort, nous faire doigt avec Allah, subhanahu wa ta'ala qu'Allah donne nous-mêmes et nous tous ensemble dans ce mois Ramadan là nous assisez, nous réfléchis à qui qui peut domine le monde entier, qui nous servit dans sa bonne qualité et nous quitte ce mauvais côté Allah subhanahu wa ta'ala profite Ramadan là assalamu alaikum wa rahmatullahi wa